Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtus, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une petite astuce qui vous permettra tout simplement de prendre des photos à la troisième personne. Là vous êtes en train de me dire mais what the fuck Virtus, qu'est-ce que tu nous racontes? Tout simplement des photos à la troisième personne, donc c'est-à-dire avec la caméra que j'ai actuellement, c'est-à-dire que je vois à peu près un ensemble, une grande partie de ma vue. Et je ne vois pas que ma tête. Et je vais tout simplement vous donner cette astuce pour pouvoir réaliser des photos à la troisième personne. Donc c'est assez simple à réaliser, vous n'allez pas perdre d'argent ni rien, donc ne vous inquiétez pas. Et vous pourrez réaliser de superbes clichés. Donc on va tout simplement se rendre sur le toit de ce bâtiment pour prendre une magnifique photo. En attendant, moi je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc tous les liens seront dans la description. Et pourquoi pas rejoindre la chaîne 100% course qui sera dans la description et en annotation. Donc pour réaliser cette astuce, vous allez simplement sortir de votre véhicule si jamais vous êtes dans un véhicule. Et vous allez tout simplement prendre une bombe collante dans votre main. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas la faire exploser, il n'y a aucun souci. Donc là, vous allez simplement vous placer à l'endroit où vous voulez prendre une photo. Donc moi, je vais me mettre au milieu des voitures comme ceci. Vous allez tout simplement appuyer sur la gâchette pour poser la bombe collante en ouvrant votre téléphone. Donc vous ouvrez votre téléphone et appuyez sur RT afin de, comme si vous vouliez tirer. Et là, vous allez simplement sélectionner l'appareil photo. Et comme vous le voyez actuellement sur l'écran, je suis tout simplement en troisième vue. Donc ne lâchez pas la gâchette pour tirer. Et après, vous pouvez prendre de magnifiques clichés en vue troisième personne. Donc c'est vraiment une petite astuce qui m'a l'air très très sympa. Et donc, je vous la partage. Oula, j'appuie sur la mauvaise touche. Donc n'appuyez pas sur LT, sinon vous allez viser. Mais bon, c'est pas grave. Après, vous réalisez de magnifiques clichés. Donc voilà, cette petite astuce est déjà terminée, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Partagez-le sur Facebook et Twitter afin que vos amis puissent réaliser à leur tour de superbes clichés. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux. Allez, ciao bye bye tout le monde.